Pas besoin d'attendre Wedge ? Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends pas. C'est pas facile à saisir pour un soldat, j'imagine. Mais bon, je lui dirai que tu t'es fait du souci pour lui. Ça, on va faire plaisir. Nous avons reçu des plaintes dérivées. La brigade A va rester ici pour trouver les fugitifs. La brigade B va rapidement faire les circulations et remettre la situation en ordre. Bon travail. Venez par ici. Allez ! Mettez-vous tous en position ! Avançons ! C'est pas les mains mortes, on dirait. Remarque, comme ça au moins j'étais tranquille. Au fait, où est Wedge ? Wedge ! La flippe ! On s'occupe de lui. Hey Wedge ! Tu peux te lever ? Allez. Pardon, j'ai pas assuré. T'as été touché? J'ai dû me prendre une balle perdue dans le derrière. Hein? Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Wow, sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touché. La balle est passée tout près, alors ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Ça creuse les émotions. Oh, tu ris, Cloud. Il faut y aller. Ne perdons pas de temps. À tes armes! Au bidonville. Il y a un truc que j'avais envie de tenter depuis longtemps. Nous inspectons actuellement les appareils. En attendant, nous vous prions de bien vouloir rester chez vous. Nous vous informerons de toute évolution de la situation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. N'empêche, je pensais pas qu'on tomberait sur la faction principale. C'était un hasard. Ce quartier est fermé pour des raisons de sécurité. Les civils sont priés de rester chez eux. C'est toujours le merci de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Me dites pas que c'est encore une attaque terroriste. Il s'agissait d'une fausse alerte. Ne vous inquiétez pas. Y a aucun problème. Je vais garer vos véhicules à cet endroit. Je vais bientôt devoir sortir, moi. La circulation est fermée. Venez par là. On sera plus tranquille. Mais où est-ce qu'on va, là? Tu verras bien. Je vais pas te gâcher la surprise. J'ai réussi à mettre la main sur mes explosifs. Avec ça, la prochaine mission devrait se dérouler nickel. Ouais, espérons. J'espère que ton père pourra guérir rapidement. Pêche, parle pas de ça. Quoi? Il aurait bien aimé manger de la pizza, lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, que t'avais envie de manger de la pizza? Oui. Dans ce cas, c'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super! Ouais, super génial. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter. Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivée sans vous. N'oubliez pas,
Tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole! Cui-cui! Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud! Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais tu veux nous faire tomber ou quoi? Et c'est toi qui dis ça! Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Attends, je suis pas prêt! Tant pis. 30 secondes, allez, sois un frère! Non, on n'a pas que ça à faire. Aider un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. T'inquiète, je peux très bien rentrer tout seul. J'ai eu un peu chaud aux fesses, c'est tout. C'est bon, je vais te raccompagner. T'es gentil. Arrête de couiner. C'est par ici. Tu crois que Jesse et Biggs sont déjà rentrés? Je sais pas. Tu veux bien qu'on passe voir chez eux? Mais oui. C'est sur notre chemin. Ok. C'est moi ou il y avait comme des ombres bizarres qui sont tombées sur la ligne des débris? Le nombre de créatures éliminées du mois est là! Venez voir ça! On a le nouveau nombre de créatures éliminées! C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Et il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu, quand même. Mais bon, allons voir chez Jessie, maintenant. On s'est disputé parce qu'elle veut pas partir de mine. Il paraît que tu sais que je connais. J'ai tellement peur qu'il y ait une autre explosion. C'est ici qu'habite Jessie. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices. Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche? Non, ça va. Jessie est bonne actrice. Ah, encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. T'as entendu parler de ce travail top secret dans le réacteur Mako? On peut postuler. Je vais chercher du boulot dans le secteur 5. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez. Comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien.
C'est des chats veux. Papa, ça. Oh, c'est mes petits chats, ça. Alors, Flo-Flo, faut pas bouger comme ça. T'as entendu parler de ce travail top secret. Te voilà enfin, Cloud! Je me disais bien que t'allais pas tarder. Alors... Tiens, c'est ça! Tu l'as bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends un peu, ça n'est pas fini. Oh. D'accord, super. Tu veux bien me lâcher? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule, mes colocs seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche? Tu viens? Je t'attends demain soir. T'es lourde, tu sais. Je vois. Je t'aurais pas comme ça. Il va falloir que je change de tactique. Faites vos rêves! Mais pas trop. Non, Cloud, t'es bien arrivé? Où est Wedge? Chez lui. Tant mieux, ça me rassure un peu. Demain, on a une grosse journée qui nous attend. Quand Wedge nous a dit qu'il s'était pris une balle dans le derrière, j'ai eu peur que ça fasse tout foirer. Et comme on est allé en haut sans prévenir Barrett, j'aurais pas su quoi faire si Wedge avait été blessé. Mais Jesse avait l'air tellement bizarre au bar, on pouvait pas l'ignorer. Biggs. Elle doit être en train de préparer la bombe pour la mission. Je me demande si elle va avoir assez de temps pour ça. Il vaut peut-être mieux que je lui file un coup de main. Calme-toi. Hein? Non. Désolé. On a pas mal dévié lors du saut en parachute. Je me suis dit qu'il se pourrait que ce soit un mauvais présage. Du coup... N'oublie pas la première règle du bidonville. T'as raison. Bonne nuit. Toi aussi. Heureusement que t'étais là. Merci. Ouais? Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Mmh. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... Je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? Mmh, c'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter, mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit, Tifa.
Ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. Je te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller? J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun souci, mais bon... Oh. Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. T'es arrivé à la jambe? T'as pas trop mal? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien.
Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein? Comment on va faire pour la mission? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi, tu serais prêt à partir maintenant? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jessie. Hein? Mais je suis en pleine forme, moi! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Je compte sur toi, monsieur le soldat. Bon ben, allons-y. Tifa, détends-toi un peu. Hein? Je sens que t'es stressée. Ça va, merci. Allez, je suis prête. Pour commencer, partons à se dire qu'il y aurait toujours la paix grâce à la Les motos que t'as préparées hier. Et alors, c'est mal utilisé la main. Finalement, c'est avalanche notre ennemi. Il y aura peut-être plus de gens qui vont vivre. Pour le déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a? Les explosions! La mission dès qu'on sera dans le train. T'es prêt à y aller, j'espère. Biggs, j'espère qu'il s'en sort là-haut. Faut qu'on se dépêche d'aller le rejoindre. Et un autre jour, ça marcherait pas? La machine est lancée, c'est trop tard pour l'arrêter. Trop de gens sont impliqués dans cette opération. Et puis, on a posé un ultimatum. S'ils arrêtent pas les réacteurs, on en refait sauter un aujourd'hui. C'est leur faute qu'ils assument. Restez tranquille. Pour assurer la sécurité des installations et du public. Pour ces raisons, les horaires des trains sont fortement perturbés. Notre arrivée à la gare du secteur 4 est donc prévue avec un certain retard. On va se faire le réacteur numéro 5. À partir de la gare, on se faufilera par les ruelles. Quand on sera dans l'enceinte du réacteur, on fera comme pour le numéro 1. On va jusqu'au réservoir. Exactement. Et boum, on le fait exploser.
Jesse et Wedge comptent sur nous. Va falloir se débrouiller sans eux. Ouais. Ok. Eh ben dis donc, y a pas grand monde. La nouvelle s'est répandue, et bien plus vite que Biggs ne l'avait prévu. On se fera repérer si on est ensemble. Vous deux restez ici. T'inquiéter. Mais ça m'angoisse quand même. Tu veux pas aller voir s'il y a pas de problème dans le wagon d'à côté? Ça me tracasse un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah arrête, tu sais. Il est généralement assez irritable avant une mission. J'ai peur qu'il fiche la trouille aux autres passagers. T'inquiète pas. Cloud, tu veux bien me rendre ce service? Je reviens tout de suite. Je te remercie. Et maintenant, vous continuez à les soutenir! Il y en a plus que marre. Avalanche est une plaie. À cause de leurs menaces, tous nos services sont désordonnés. Les gens sont complètement affolés. Mais je me battrai. Non, c'est tous les employés qui se battront. Les réacteurs continueront de tourner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? S'il y a un problème, je vais te dire un truc. Non, ça va. Vous n'avez rien à redire, pas vrai? Retourne dans l'autre wagon. Reste avec Tifa. Le wagon va bientôt être...
vite. Vous serez plus en sécurité là-bas. Je suis un employé de la Shinra, votre ennemi. C'est pas le moment. On veut protéger tout le monde. S'il vous plaît. Dans ce cas, je m'occupe de Zagran. À mon tour. Observation, monsieur le soldat. Laisse tomber. Hein? La gare sera sûrement encerclée. Il faut qu'on saute. T'es malade? Il suffit de faire freiner le train. Alors on passe au plan E de Biggs. Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui! Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. Je m'en charge. Prends-le.
fais. Garde ton sang-froid. J'attendais que ça. Ça leur apprendra. J'espère qu'on a réussi à l'ESME. Mais oui, t'inquiète pas. On va vérifier le trajet et on va reprendre la mission rapido sans problème. Donc on va suivre le plan E. Je t'écoute. Normalement, on devait suivre le plan A. Il consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à E. Comme etc. On a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté, sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais! Oui, nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui, faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévues. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables? À vous lamenter inlassablement sur le passé? Hein? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps? Hein? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres. Le chemin est indiqué par le chien de la Shinra. Regardez bien les murs. Le chien. C'est un peu la mascotte. Son museau indique la direction à suivre pour aller jusqu'au réacteur numéro 5. Regardez aussi les feux de signalisation. Il faut qu'on avance dans le sens des feux bleus. J'ai bien trop...
Ah, voilà. Reste plus qu'à se fier à sa truffe. La direction du museau de Stamp indique le chemin à prendre. Il suffit de suivre les graffitis. Pas très loin d'ici. C'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Et une fois sur place, on prendra un passage secret. Un nouveau rapport sur Avalanche. Les données de combat sont maintenant suffisantes. Combien de fois va-t-il falloir que je répète? Ces rapports n'ont absolument aucun intérêt. Comment dire? Vous avez déjà oublié la guerre contre le Wutai? En sous-estimant notre ennemi, vous risquez de ternir l'image de la Shinra. Les insouciants qui osent s'en prendre à nous doivent être exterminés jusqu'au dernier. N'est-ce pas de cette façon-là que nous avons toujours procédé? Mais... pourtant... Oh... Je commence à avoir l'impression que toi aussi, tu veux être démobilisé en même temps que ces deux bons à rien. Oh. Dans ces conditions, nous allons activer le prototype de la section E.
Allez, dépêchez-vous! On dirait bien que je vais pouvoir ajouter un nouvel exploit à mon illustre carrière. Gars! Oublie ça. C'est quoi ton problème? Hey, attends deux secondes. Par ici. Il y a des gardes. C'est mieux sécurisé qu'on pensait. Le dépôt de train est derrière eux. On va devoir s'en débarrasser. On est au courant du moindre de vos faits et gestes. Fini de jouer maintenant. Heureusement que je suis là, J'espère que ça te plaît. Rends-moi ça. Ça va de ton côté. Je charge. Dégage. C'est fini pour toi. On franchira pas cette grille. Faut passer par l'escalier. On ne devrait plus être très loin de ce fameux passage caché. Y a pas à dire. Je trouve que ce plan E est très bien conçu. Et toi, qu'est-ce que t'en dis, l'ancien soldat? C'est grâce à Biggs, pas vrai? J'ai eu mon mot à dire, moi aussi. Soyons prudents, alors. Qu'est-ce que t'insinues, là? Croyez pas que vous allez pouvoir aller passons plus loin, sérieux. Rendez-vous! C'était couru d'avance. Il y a vraiment beaucoup de gardes. C'est bizarre, ça. Il faut trouver le dessin de Stamp. Il va nous indiquer. Attaquons ses pattes. On va l'arrêter. Dépose-toi là.
Concentrons nos attaques. Merde, que ça te plaît. On l'a eu. Qu'est-ce qu'il y a? Une erreur système, on dirait. Elle est défectueuse ou quoi? D'après le bureau d'analyse, des valeurs anormales ont été enregistrées. Après ça, nous avons perdu tout contact avec le prototype. Des valeurs anormales. J'espère que ce n'est pas une erreur de réglage de votre part. Non ! Le module d'analyse avait l'air de fonctionner correctement. La seule explication, c'est que les sujets ont largement dépassé nos estimations. Qui aurait cru ça? Les systèmes de surveillance du point E. Ils sont tous détruits. C'est le président. Allô? Oui. Il n'y a aucun problème. Au contraire, nous devrions obtenir des données intéressantes. Oui, j'en suis bien conscient. Nous savons où se dirigent les intrus. Si vous êtes sûr que vos réglages ne sont pas en cause, trouvez-moi vite les raisons de ces valeurs. Et si vous n'y arrivez pas? Je vous enverrai sur place pour évaluer vous-même leurs capacités. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Vous savez que je suis plutôt gentil, non? Du moins avec les bons éléments. Le passage se trouve derrière les conteneurs. On va se faufiler. Oh merde, c'est vachement étroit! Ça va aller? Ouais, ça va!